Le duc et la duchesse de Sussex ont été avertis que leur période de lune de miel à Hollywood pourrait toucher à sa fin. La semaine dernière, ils ont reçu un coup dur par la décision du régulateur britannique de la télévision Ofcom selon laquelle les critiques de Piers Morgan à l'encontre de Meghan dans Good Morning Britain n'ont pas outrepassé la barre et mérité des sanctions. Maintenant, le couple fait face à des problèmes de l'autre côté de l'Atlantique où leur puissance de star pourrait décliner. Harry et Meghan détestés à Hollywood. A proclamé le magazine américain Globe la semaine dernière. C'est un rapport scandaleusement sensationnel, mais qui a touché une corde sensible chez certains à Tinseltown. Les sourcils se sont levés lorsqu'Harry et Meghan n'étaient pas à la fête du 60e anniversaire de l'ancien président Barack Obama le mois dernier, à travers le pays à Martha Vineyard, bien que Meghan ait donné naissance au deuxième enfant du couple, Lilibet Diana, seulement 9 semaines plus tôt. Et le ressentiment monterait contre le duo qui a obtenu un contrat de production Netflix de 112 millions de livres sterling. Un contrat de podcast Spotify de 20 millions de livres sterling et un contrat d'édition lucratif lorsqu'ils ont déménagé aux États-Unis. Cela a laissé un mauvais goût dans la bouche des stars qui ont travaillé toute leur ils sont dangereusement proches de l'actualité des HIER à Hollywood, déclare un producteur chevronné. Ils n'ont encore rien fait, et ils n'ont donc aucune crédibilité au-delà de l'annonce de l'accord de Netflix. Ils ont ajouté. Toutes les célébrités ne peuvent pas être monétisées. La paire est raillée dans la nouvelle série de dessins animés HBO Max The Prince. Meghan est décrite comme une has-been réduite à apparaître dans Real Housewives of Beverly Hills, avec Harry travaillant à Los Angeles en tant que masseur. Les Sussex ont fui la Grande-Bretagne pour une nouvelle vie en Californie, arrivant en mars 2020. Ils ont été immédiatement accueillis dans l'élite des Hollywood, invités à des soirées avec Steven Spielberg, Tom Hanks et Oprah Winfrey, et ont prêté un manoir de Beverly Hills par le magnat du cinéma Tyler Perry. Queen Margrethe II to bring Karen Blixen's image creating worlds to life in Netflix film.